Couche-toi. Lève-toi. Ma position préférée pour dormir en boule. Accompagné. Lit conjugal. À l'idéal, lit conjugal. Exclusive à mon lit. Un lit. N'en portez aucune. Veilleuse. Silence. L'objet indispensable sur mon chevet. Alors, une petite boîte de chocolat. Mes bijoux du moment. Mon téléphone portable pour le réveil. Une veilleuse et des petites bricoles, voilà, dont j'ai besoin à proximité de mon lit, même quand je dors. En me faufilant sous la couette. Mon lit est un cocon. Belle. Prends le lit. Une sexualité libérée, c'est une histoire de corps, voilà, être pleinement conscient de ce que l'on vit à travers son corps et être attentif au corps de l'autre. Ah, une voix de velours. Oui. Singulier et intense. Celui auquel je pense n'a rien à voir avec mon lit. Mais... Non, joker. Alors, un lieu propice pour éveiller les sens, indéniablement la nature et à l'extérieur. Pièce dédiée aux détentes et à mon plaisir. Une pièce qui serait vaste, claire, avec plutôt des choses qui me rappellent la nature, du bois brut et des petits objets qui me rappellent que la zen attitude, voilà. Pourquoi pas un petit fauteuil rouge, j'aime bien les notes de rouge, donc pourquoi pas. Voilà. Mon intuition féminine dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, l'intuition féminine, ça sert parfois à se connecter entre femmes aussi, à être sur cette connivence, et puis à pressentir ce qui peut se passer, ce qui peut se produire, la tournure que peuvent prendre les choses. C'est un sixième sens, voilà, qui me permet d'évaluer des situations dans un moment ou ma façon de me connecter aux autres. Définitivement, c'est une question que je ne me pose pas. Peut-être parce que je suis terriblement ancrée dans ma posture de femme et que ça me semble assez éloigné de moi et en même temps, ça me semble être une chose dont j'ai pas besoin. Donc je ne me projette pas et je ne sais pas comment je pourrais valoriser cette attitude. Je ne sais pas, joker. La dernière fois que j'ai fait une chose pour la première fois, je fais très souvent des choses pour la première fois. Mais je sais pas. Joker. Okay.